Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz, match de Coupe de France. Évidemment un match qui a beaucoup d'importance parce qu'il faut savoir que le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour la Ligue Europa. Et bon, comme on a constaté que l'Olympique Lyonnais n'était pas hyper bien engagé en championnat pour accrocher une place européenne, même si ce n'est pas encore fini, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir, donc aller loin en Coupe de France et évidemment gagner la Coupe de France, ça ferait un titre et une qualif pour la Ligue Europa, ce qui serait finalement une saison pas trop pourrie pour l'Olympique Lyonnais, puisque pour nous, jouer la Coupe d'Europe, c'est évidemment très très important. Alors avant de se présenter l'équipe, je vais faire un petit retour sur les polémiques très importantes autour de Dejan Lovren. Alors certains ont peut-être vu que j'avais publié une vidéo en début de journée sur le sujet où je passais en revue les différents points qui sont reprochés à Lovren et je l'ai annulé tout simplement parce que le joueur a pris la parole et s'est expliqué et en gros il dit tout simplement ce que moi je disais dans la vidéo, donc c'est quand même mieux que ce soit lui qui s'exprime. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit: j'ai lu beaucoup de choses depuis ma signature à l'OL et mon retour en France, me prétend une connivence avec le fascisme. Je n'ai rien à voir ni avec le fascisme ni avec toute autre mouvance extrémiste, je ne supporte aucun mouvement de ce genre, ayant moi-même eu une enfance endommagée à cause de l'extrémisme qui a conduit à la guerre dans mon pays et dans toutes ses horreurs, je condamne le plus fermement toute dérive extrémisme, fascisme inclus. J'aime mon pays et mon patriotisme ne doit pas être confondu avec du nationalisme ou toute autre dérive politique extrémiste. Et c'est en gros ce que je pensais déjà avant qu'il prenne la parole. Nous n'avons pas vécu de situation de guerre. Et au sortir d'une guerre qui évidemment exacerbe les passions, eh bien, on est encore plus patriotique que à l'accoutumée. Et donc, je comprends que Lovren soit dans cet état d'esprit. Et personnellement, je n'y ai jamais vu de nazisme, surtout quand on se penche avec sérieux sur les différentes choses qui lui étaient reprochées. Bon, je ne vais pas épiloguer plus longtemps. J'espère qu'on va passer outre ces polémiques pour le moins stupides. Et donc on va revenir sur le terrain. Donc vous le voyez, le groupe des joueurs retenus pour le match demain a été publié et donc je me suis amusé à faire une équipe qui, je pense, ressemblera de très près à celle qu'on verra sur le terrain. Alors vous allez voir, absolument rien de créatif dans ce que je vais proposer, puisque je vais proposer évidemment un 4-2-3-1 puisque c'est le système que l'on a retenu sur les derniers matchs, donc avec Anthony Lopez, le retour de Tagliafico en latéral gauche, Lukeba Diomande en défense centrale, Koumbédi à droite, Kakré Mendes à la récupération, Cherki numéro 10 créateur, Tété à droite, Karl Toko Ekambi à gauche et Lacazette en pointe. Vous savez que moi je préfère voir Tété à gauche, Toko Ekambi inverser leur position, et d'ailleurs dans l'émission « Tant qu'il y aura des gones » avec Nicolas Puy-de-Bois, il a cette semaine appuyé sur ce point. Donc il est d'accord avec moi, ou je suis d'accord avec lui, vous le verrez comme vous voulez. Mais je pense que le fait que ces joueurs soient sur leur mauvais pied, eh bien, les fait systématiquement revenir vers le milieu, ce qui à mon avis est un vrai problème. Je préférerais les voir déborder et écarter les défenses plutôt que de revenir vers le milieu et finalement opérer une concentration ici, puisqu'en plus on a Lacazette et Cherki qui sont déjà à l'occupation de ces espaces-là. Donc Metz, équipe de Ligue 2, actuellement 6e de Ligue 2, avec 7 victoires, 4 nuls et 6 défaites, mais sur une bonne dynamique quand même, 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs, donc victoire face à Grenoble mieux classé qu'eux, nul face à Niort, victoire face au Paris FC et victoire face à l'ASSE qui se morfond dans les tréfonds de la Ligue 2. Attention au national pour les Verts.
Bon, a priori, il ne devrait pas y avoir photo entre les deux équipes, mais on va être prudent quand on voit l'OL évoluer depuis le début de la saison. Alors, dernier point important, évidemment, où voir le match, parce que, vous le savez, le foot est diffusé sur un nombre de bouquets absolument incroyable, et c'est beIN Sports qui a racheté les droits de la Coupe de France. Avec eh ben, les France 3 régionaux. Donc, vous le voyez ici, à 15h30 demain, donc Lyon-Metz sera diffusé à la fois sur beIN Sports 4 et sur France 3 région. Donc, essayez de voir dans votre bouquet télé si vous avez la faculté d'avoir France 3, je pense, Rhône-Alpes. Et si c'est pas le cas, eh bien peut-être sur votre TNT. Enfin, je ne sais pas comment ça marche pour chez vous, mais moi, j'espère pouvoir le voir sur ma box. Alors l'OL est un casse-tête pour ses supporters, mais aussi pour ses entraîneurs, puisque la même équipe a fait une prestation excellente à Brest et 4 jours plus tard, une prestation calamiteuse face à Clermont. Donc c'est toujours difficile de savoir ce qu'on peut attendre de cette équipe. Et je me mets à la place de Laurent Blanc, qui doit vraiment se demander dans quelle galère il s'est engagé, avec, comme je le disais, bah, une équipe qui est capable de faire un très bon match et d'enchaîner avec un match absolument pathétique. Donc c'est vraiment pas simple pour lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Un petit clic et vous êtes tranquille. Et je vous dis à demain pour le débrief du match. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.